Allez, la voiture a déployé ses ailes, on voit qu'on accélère déjà. Quoi qu'il arrive, ce sera un champion qui sera sacré aujourd'hui, c'est sûr. Et Punchy tout en dehors, regardez, une petite mobilette là qui va partir. Attention au départ. Et c'est parti avec tout de suite Perlando qui prend un bon départ. Et Punchy, le petit Punchy là qui fonce comme une balle et qui va prendre l'avantage tout de suite en tête devant Perlando. Là c'est un l'accord. Ensuite le 6 a pas loupé son départ, c'est Quinoa du GR. On est parti lentement avec le 11 Pedrito du Vallon qui ferme la marche, mais le peloton est bien groupé pour entrer dans le premier tournant avec Punchy numéro 8 qui l'avantage au centre. Perlando avec également le 1 Quito d'Écroville qui est côté corde et qui va prendre une bonne place à l'extérieur. Le 7 Orionax qui vient maintenant en deuxième position. On est bien placé également avec le 5 Quinoa du Relais. À Punchy, Jean-Paul Roux qui n'ont pas la pression mais qui mettent la pression sur leurs adversaires devant Quito d'Écroville le numéro 1. On voit le 7 Oyonnax qui est troisième en dehors, effort du 6 Quinoa du GR maintenant qui a senti le danger derrière. Il y a encore Norgino côté corde. On va aborder bientôt le tournant des écuries avec toujours les mêmes au commandement, c'est-à-dire le 8 Punchy qui se laisse dépasser par le 6 Quinoa du Gers qui s'installe au commandement. Le 6 devant le 8 avec le 7 Oyonnax qui est en troisième position. Le 1 Quito d'Écroville qui est quatrième. Perlando qui est à ses côtés. À l'extérieur, on fait le forcing avec le 3 Roxana de Barbré qui était parti lentement et qui revient. Côté corte, le 2 Norgino. Et à ses côtés, nous avons toujours le 5 Quinoa du Relais. Avec ce numéro 6 Quinoa du Gers, Mathieu Abrivard maintenant qui vont tenter de contrôler. Punchy a été repris, c'est bien. L'Indo, en dehors le 3 Xana de Barbré qui se rapproche avec encore Oyonnax qui n'est pas loin, Quito d'Écroville aussi, n'oublions pas non plus Perlando qui est dans le coup, personne n'est battu et Roxana Barbré qui va faire le forcing maintenant aux côtés de Quinoa du Gers devant encore Punchy. On avance bien en tête avec toujours le 6 Quinoa du Gers qui est l'avantage pour rentrer dans le tour dans du chemin de fer accompagné par le 3 Roxana de Barbré, côté corte Punchy qui va toujours très facilement, le 7 Oyonnax également à ses côtés, avec à l'extérieur nous avons le 4 Perlando dans la corde, le 5 Quinoa du Relais avec dans son dos. Nous avons également le 13 Keva de Tonneville qui va très très bien. Le 2 Norgino tente de progresser avec Perlando. Nous est en difficulté maintenant avec le 1 Quito d'Écroville. Ah, Quinoa du Gers qui fait un peu ce qu'il veut dans cette course pour l'instant. Roxana de Barbré à son extérieur. Le 8 c'est bien sûr Punchy à la corde avec le 7 à son extérieur. Oyonnax sur un troisième rang. On voit que le numéro 5 est plein de ressources. Quinoa du Relais accompagné par Perlando le 4. On va bientôt rentrer dans les derniers tournants avec le 6 Quinoa du Gers qui a toujours avantage accompagné par le 3 Roxana de Barbré en embuscade. Punchy qui attend le passage. Oyonnax qui va très facilement, Perlando qui est en cinquième position à l'extérieur, il va passer à l'attaque et côté corte on est plein de ressources avec le 5 Quinoa du Relais tandis que Norgino n'est pas très loin et on tente de revenir également avec le 14 Rani de Passière. Quinoa du Gers dans le dernier virage qui a toujours facilement l'avantage sur numéro 3 Roxana Barbré en dehors, il y a bien sûr ce numéro 7 Oyonnax, Perlando qui se décale en dehors, Quinoa du Relais qui n'a pas le passage, Punchy à la corde. La dernière ligne droite avec le 6 Quinoa du Gers qui a toujours l'avantage et qui attend les attaques, elles viennent avec à l'extérieur Perlando qui finit vite avec au centre le 3 Roxana de Barbré, Punchy qui cherche le passage et le 5 Quinoa du Relais aux arbres poteau et c'est Perlando qui va aller le faire. Perlando le 4 qui s'impose, la deuxième place pour le 3 Roxana de Barbré, la troisième pour le 5 Quinoa du Relais qui a été très malheureux dans cette phase finale et le 6 Quinoa du Gers ne peut que se contenter de la quatrième place. Et bien ça va être la fête ici à Mons, c'est Joss qui s'impose dans cette épreuve avec Perlando qu'on avait l'impression moins bien David. Oui, et dans le parcours c'était plutôt très bien hein. Patrice, on revoit ici eh bien, les 200 derniers mètres où Perlando vient progressivement prendre l'avantage. Roxana Barbré était bien partie à la corde. Quinoa du Gers plafonne quelque peu. Quinoa du Relais, le 5, est un petit peu malheureux. Punchy, super aussi malheureux là à la côte. Regardez, il ne fait pas du tout ce qu'il veut, le pauvre. Et puis, Norgino qui termine fort en or. Oui, la victoire donc de Perlando. On va revoir les 500 derniers mètres et on va voir comment ils ont construit la phase finale de cette épreuve. Avec la victoire de Perlando, nous annonce la cinquième place pour le 2 Norgino et Punchy ne sera que sixième, mais il a été très malheureux dans cette phase finale. Quinoa du Gers qui va très facilement aux 500 mètres. Oui, très facilement, il contrôle, a-t-on l'impression. Roxane de Barbré a fait beaucoup d'extérieurs, hein, que de mérite d'être deuxième dans cette course. On voit que Perlando se laisse tirer, notamment par Oyonnax qui va nous décevoir tout de même dans la ligne droite. Oyonnax qui n'a jamais pu faire illusion. On le voit venir en troisième épaisseur à ce moment. On se dit il va venir le faire, mais Perlando à l'extérieur se décale également et va terminer de plus en plus vite. La déception, c'est Quinoa du Gers qui s'est vite éteint dans la ligne droite. Roxana de Barbré qui lutte bien, mais Perlando qui finit vite, tandis qu'Oyonnax est décevant. Ah, et Punchy, malheureusement, aurait pu faire un tout petit peu mieux hein, que de malheur, mais on n'a pas trouvé l'ouverture. De toute façon, Punchy sera sacré champion de ce tour européen.